Je devins un jeune homme ordinairement potable, pas plus. C'est à ce moment de ma vie que je commençais à penser et à écrire musicalement. Oui, fâcheuse idée, très fâcheuse idée. En effet, car je ne tardais pas à faire usage d'une originalité originale, déplaisante, hors de propos, anti-française, contre-nature, etc. C'est ainsi que je pris goût pour la misanthropie, que je cultivais l'hypocondrie, et que je fus le plus mélancolique de plomb des humains. Je faisais peine à voir, même avec un lorgnon en or contrôlé. Il ne suffit pas d'être musicien ou d'en avoir l'air, il faut en avoir l'esprit. Cet esprit est un esprit comme un autre. Il est frère de l'esprit littéraire, de l'esprit pictural, de l'esprit scientifique et de plusieurs autres esprits. Tous plus spirituels les uns que les autres. Sachez que c'est l'esprit propre à chacun des arts qui donne à l'artiste le courage nécessaire pour supporter la violence des luttes. Car en art, tout est dans la lutte. Et les luttes y sont nombreuses, répétées, sans merci. Parlez de l'esprit musical, l'harmonie, la mélodie, le rythme, la sonorité, le dynamisme, l'esprit tonal, l'esprit atonal, le sens créateur, la phonophilie. L'imagination, elle fut longtemps peu à la mode, la pauvre. Indication pour la cinquième gnosienne. Enfouissez le son. Très perdu. Thank you.
Il faut avoir raison sans vanité, sans bruit, sans orgueil. La possession de la raison n'accorde aucun privilège. La maison se charge des réparations harmoniques, transformation rapide de symphonie, quatuor, etc. Spécialité de marche funèbre, requiem, messes arrangées pour bal. La subtilité à portée de tous. Nos grands concerts dominicaux ont effectué leur clôture annuelle. De leurs statistiques, il ressort que la vente de gamme par ton de l'appoggiature non résolue augmente de jour en jour. Mais que la consommation de l'accord parfait a diminué dans des proportions inquiétantes. Cette crise a amené de graves perturbations dans l'industrie musicale. Plusieurs fabricants de cartes et sixtes ont dû fermer leurs usines et licencier leur personnel. La porte s'ouvre, s'ouvre, s'ouvre comme un œil. Un être informe et silencieux s'avance, s'avance, s'avance. Je n'ai plus la notion du temps ni celle de l'espace, et même il m'arrive parfois de ne pas savoir ce que je dis. Il se passe en ce moment à mon sujet une chose assez originale. Je suis accusé de m'être laissé passer pour un fou, alors que je suis aussi raisonnable que vous et moi. Indication à l'interprète. Pour le pianiste de droite, comme une bête. Thank you.
Avoir le sentiment harmonique, c'est avoir le sentiment tonal. Une mélodie n'a pas son harmonie, pas plus qu'un paysage n'a sa couleur. La situation harmonique d'une mélodie est infinie, car une mélodie est une expression dans l'expression. La musique d'ameublement crée de la vibration. Elle n'a pas d'autre but. Elle remplit le même rôle que la lumière, la chaleur et le confort sous toutes ses formes. Exigez la musique d'ameublement. Pas de réunion, d'assemblée sans musique d'ameublement. Musique d'ameublement pour notaire, banque, etc. Pas de mariage sans musique d'ameublement. N'entrez pas dans une maison qui n'emploie pas la musique d'ameublement. Celui qui n'a pas entendu la musique d'ameublement ignore le bonheur. Ne vous endormez pas sans entendre un morceau de musique d'ameublement, ou vous dormirez mal. Allez-vous cacher dans le fond de la cave. Monsieur le baron. Retirez-vous de ma vue pour un instant. Oh. Voyez donc cette jolie sixte mineure, n'est-elle pas délicieuse? Que pensez-vous de cette petite carte transparente? Je m'ennuie à mourir de chagrin. Tout ce que j'entreprends timidement rate avec une hardiesse inconnue jusqu'à ce jour. Que faire sinon se tourner vers Dieu et le montrer du doigt? Je finis par supposer qu'il est encore plus bête qu'il n'est puissant, le vieil homme. Chat qui s'en va tout seul. Cher bon vieux maître. Ange arcueil se cachant. Ésotérique satie. Étrange paquet avec papate. Faune longuement barbue. Grand inventeur sensible. Le sage d'arcueil, l'ange du bizarre.
fils des étoiles, le moine, monsieur le pauvre. Satisfaction, satisfaisant. Qui aime bien, satis bien. N'oubliez pas que la mélodie est l'idée, le contour, ainsi qu'elle est la forme et la matière d'une œuvre. L'harmonie, elle, est un éclairage, une exposition de l'objet, son reflet. Je ne puis passer auprès de l'exquise Tour Saint-Jacques sans penser à Nicolas Flamel, vieux lettré, lequel exerçait au XVe siècle la profession d'écrivain calligraphe. Son souvenir m'est toujours resté sympathique. Sa réputation de sorcier ne me déplaît pour ainsi dire pas, car elle chatouille ma curiosité et l'excite, convenablement bien entendu. Flamel aimait à composer des textes d'inscription qu'il y éditait lui-même sur les murs. Il en plaçait de tous côtés. Quant à nous, mes frères, nous avons édifié dans la métropole de la nation franque un temple refuge de la catholicité et des arts et avons donné à cet asile le nom d'Église métropolitaine d'art de Jésus conducteur. Myope de naissance, je suis presbyte de cœur. Fuyez l'orgueil. De tous nos maux, celui-ci est le plus constipant. Que le malheureux dont la vue ne me voit pas se noircisse la langue et se crève les oreilles. Le 14 du mois de janvier de l'an de grâce 1893, lequel était un samedi, Commença ma liaison d'amour avec Suzanne Valadon, laquelle prit fin le mardi 20 du mois de juin de la même année. Le lundi 16 du mois de janvier 1893, mon amie Suzanne Valadon est venue pour la première fois de sa vie en cet endroit. Et aussi pour la dernière, le samedi 17 de juin du même an. Thank you.
Les environs en sont si tristes et si pleureurs que cela m'émeut et m'est agréable. De même qu'un loup pâle est joli. L'exercice d'un art nous convie à vivre dans le renoncement le plus absolu. Rien de neuf. Tout va bien à l'ombre des grands aqueducs. On attend impatiemment l'exquise venue de la Sainte-Barbe. Ce n'est déjà pas si mal. La main-d'œuvre est souvent supérieure à la matière. Qui a établi les vérités régissant l'art ? Qui ? Soyons artistes sans le vouloir. La dèche est venue comme une petite fille triste, avec de grands yeux verts. Mais que suis-je venu faire sur cette terre si terrestre et si terreuse ? Le mal peut venir aussi bien d'en haut que d'en bas. Le « la » du diapason, qui se déclarait satisfait jusqu'ici de ses 870 vibrations, affirme ne plus pouvoir s'en tirer avec ce chiffre dérisoire. Depuis 2 ans, il en a progressivement élevé le nombre, qui est actuellement de 900.
tout augmente. Remarque sur l'interprétation des morceaux suivants. À propos des avant-dernières pensées, un pianiste léger mais décent. À propos du deuxième air à faire fuir, dans le plus profond silence. À propos de choral inappétissant, le matin à jeun. À propos de fantaisie musculaire, commence en feu, se développe avec enthousiasme, retombe très penaud. À propos de la belle excentrique, il sourit malicieusement, tandis que son cœur pleure comme un saule. Il saute sur la fenêtre et gronde du museau, tire-l'eau, parce qu'il voit sur la crête se découper les oiseaux, tire-l'eau, le petit enfant, c'est un petit blanc, un petit potasseau. C'est mon goret, c'est mon pourceau, mon petit potasseau. J'aime les animaux, ils me le rendent, les chiens notamment. J'aime le poulet, le mouton, le canard, le saumon frais, le bœuf, la dinde au marron et même sans marron. Avec des truffes ? Oui, j'aime les animaux, car je suis bon pour eux, trop bon même. Bien que nos renseignements soient faux, nous ne les garantissons pas. Les enfants aiment les choses nouvelles. Ce n'est qu'avec l'âge de raison qu'ils perdent ce goût de la nouveauté. Instinctivement, ils détestent les vieilles idées. Ils se doutent que ce sont elles qui les raseront dans l'avenir. Petit, l'enfant observe l'homme et il le connaît. Croyez bien qu'il ne lui faut pas longtemps pour savoir quel mufle il a en face de lui. L'homme enseigne à son jeune élève tous les trucs pour réussir dans la vie terrestre et dans celle céleste, car l'homme dont nous parlons est l'honorabilité en personne, même si c'est une crapule, consciente ou inconsciente.
Peut-être quelques-uns d'entre vous s'imagineront-ils que je plaisante, dit Socrate. Sachez-le pourtant, ce que je vais dire est la pure vérité. Drame symphonique en trois parties pour quatre sopranos. Flûte, hautbois, cor anglais, clarinette, basson, cor, trompette, harpe, batteries et cordes. Quel homme ? Un simple amalgame de molécules, de pellicules. Qu'est-ce que l'homme ? Un pauvre être mis sur cette terre pour embêter les autres hommes. Quel est le plus grand ennemi de l'homme ? L'homme. M'a-t-on envoyé sur cette terre pour m'amuser, pour me distraire un peu, pour oublier les misères d'un au-delà dont je ne me souviens plus ? N'y suis-je pas importun ? Que répondre à toutes ces questions ? Les commandements du catéchisme du conservatoire remis à neuf. Debussy seul adorera et copiera parfaitement. Mélodieux point ne sera de fait ni de consentement.
De plan toujours tu t'abstiendras pour composer plus aisément. Avec grand soin, tu violeras les règles du vieux rudiment. Quinte de suite, tu feras et octave pareillement. Au grand jamais ne résoudra de dissonance aucunement. Aucun morceau ne finira jamais par accord consonant. Les neuvièmes accumulera et sans aucun discernement. L'accord parfait ne désirera qu'en mariage seulement. Ad gloriam tuam erit satis, amen. N'attaque jamais Debussy. Les debussistes seuls m'incommodent. Il n'y a pas d'école Satie.
le sadisme ne saurait exister. On m'y trouverait hostile. En art, il ne faut pas d'esclavage. Debussy avait en lui une grande sûreté, trop grande à mon sens. Elle lui interdisait la mobilité, la diversité des points de vue. Je souffrais de le voir ainsi. Le piano comme l'argent n'est agréable qu'à celui qui en touche. L'horloge se met à plat ventre, tourne sur elle-même et rit aux éclats. Thank you.